Maintenant, la polygamie, c'est quoi? Sasa, ndoa ya wake wengi ni nini? C'est quand un homme ni wakati mume a une femme anamuke moja, alors qu'ils sont censés devenir un, ni hapa wanadaiwa kuwa mwili moja, lui dans ce cercle de 1 plus 1, yeye katika mringo huu ya moja kuongeza moja, il glisse une autre dedans. Ana penyeza amo mwingine ndani. Maintenant comme Dieu est témoin de 1 plus 1, hivi sasa Mungu ni shahidi ya moja kuongeza moja, lui-même s'ajoute 1 plus que Dieu ne connaît pas. Yeye mwenyewe anajiongezea kwa mwingine moja mwingine Mungu ajui. Il prend cette petite 1 qu'il vient d'ajouter, il vient la mettre ici. Anatoa huyu moja ambaye amejiongezea anakuja kumtia tena hapa. Quand Dieu regarde de l'autre côté, Mungu anapoona ngambo nyingine, il trouve que 1 plus 1 égale 1. Anakuta kuwa moja kuongeza moja ni moja. Mais il trouve une autre dame qui est en train de errer à côté de comme ça, comme un astre errant. Anakuya kuta mwingine mke ambaye iko na azu. Anaselele mbako kama vile nyota yenyiko na tanga tanga. Ilisha kosa kwa kubana. Inabaselele mbako. Ndiyo ndiyo. C'est la polygamie. Hiyo ni ndoa ya wanawake wengi. Ya ajouté contre la volonté de Dieu. Ali muongeze yako kinyume na mapenzi ya Mungu. Oh! Japo hiyo. Au commencement il n'était pas ainsi. Hapo mwanzo haikuwa kavile. Et quand Dieu a amené le déluge sur la terre. Na wakati Mungu alipoleta gharika duniani. 2000 ans après. Nyuma ya miaka 1000. Il a rasé la terre. Akafagia dunia yote. Il a fait un nouveau commencement. Kukakuwaka ingine mwanzo. Eh. Ndiyo. Premier commencement. Mwanzo ya kwanza. Un homme et une femme. Mume na mke moja. Quand la population était très grande. Wakati watu waliongezeka kudunia. Qui a rasé par l'eau. Mungu akafagia kupitia maji. En commençant avec la race humaine sur la nouvelle, la terre déjà balayée. Alipoanza na ukoo ya mwanadamu ya dunia ambayo ilikuwa imefagiliwa. Il a pris Noé. Akatoa Noah. Avec une femme. Na mke moja. Hamu avec une femme. Hamu alikuwa na mke moja. Jafet avec une femme. Jafet alikuwa na mke moja. Ham, Shem, Jafet, chacun un. Hamu, Jafeti. Na Sem. Wakawa kila moja na mke moja. Et ils sont entrés dans l'arche sans polygamie. Wakaingia musafina bila ndoa ya wanawake wengi. À la descente de l'arche. Wakati safina ilishuka. C'était ilikuwaka. Mais pourquoi Dieu n'a pas permis que chaque homme entre dans l'arche avec plusieurs femmes alors qu'à ce moment-là la polygamie était? Kwa nini sasa wakati ile Mungu hakuruhusiaka wanaume waingie mule na wanawake wengi wengi sana ingalau ile wakati? Et pourtant la polygamie est parmi les choses qui ont fait aussi que Dieu élimine la terre. Ingalau ndoa ya wanawake wengi ilikuwa moja ya sababu iliyoacha Mungu anafagia dunia. En voulant recommencer à zéro. Alipotaka anza upya. Akaagiza kwamba mume awe na mke moja. Kama Mungu hakuitikaka baingie mkisomo yake chenye kilitwa safina na bako na bade. Wewe uko nabatia mkisomo yako sawa nani? Hey. Pas permis que les gens entrent dans son église dans l'arche avec des femmes. Toi dans ton église pourquoi tu permets cela? Amen amen. 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 Quand Jésus vient, Yesu anapokuya, il dit, anasema, au commencement il n'en était pas ainsi. Hapo mwanzo haikuwa kahivi. Quand Paul vient, Paul anapokuja, il dit, anasema, pour éviter l'adultère, alléluia, eti, kwa kuepuka usharati, que chaque homme ait sa femme, kila mume awe na mke wake, et que chaque femme ait son mari, na kila mke awe na mume wake. Quand Branham vient, Branham anapokuja, il dit, anasema, retournez au commencement, c'est là où il y a la vérité. Turudie kule mwanzo njoo kwenye kweli iko. L'enchaînement logique de Genèse à l'Apocalypse. Mufurulizo ya kweli tangu mwanzo hadi ufunuo. Toutes les autres semences qu'on a semées au milieu, c'est le diable qui a semé. Zile mbegu zingine zilizopandwa mule katikati, shetani ndiye aliyezipanda. D'ailleurs, le premier polygame, c'était l'enfant de Caïn. Kwanza aliyeoa wanawake wengi wa kwanza alikuwa ni mwana wa Kaini. Zawanyoka. L'enfant ou la semence du serpent. Amen amen.
Amen. Genèse 4, 19. Mwanzo ine kumina kenda. 23, 24. Makumbini na tatu hadi makumbina ine. Le mec prit des femmes. La meki katwa. Le nom de l'une était Ada. Mumoja alikuwa naitwa Ada. Et le nom de l'autre Tsila. Jina la wapili aliitwa Tsila. Le mec dit à ses femmes. La meki kambia na wake wake. Ada et Tsila. Ada na Tsila. Écoutez ma voix. Sikieni sauti yangu. Femme de le mec. Wana wake wa la meki. Écoutez ma parole. Sikieni neno langu. J'ai tué un homme pour ma blessure. Yesu Bwana. Niliua mume. Kwa kuniumiza. Et un jeune homme pour ma meurtrissure. Na kijana. Kwa kuwa linitesa kidogo. Huyu ni type. Bandi. C'était un bandit. Premier polygame ni mutoto wa Kaini. Le premier polygame c'était le fils de Kaini. Akaoba deux. Il avait pris deux femmes. Na kabaita kamambia Tsila. Il les avait appelés les petits. Adam mkuya hapa. Venez ici. Wake zangu, wake zalemeki munisikie. Mes femmes. Écoutez-moi, j'ai déjà tué deux personnes. J'ai tué deux personnes. Juste un m'avait juste blessé. Je l'avais tué. Quelqu'un l'autre qui s'était attaqué. Je l'avais aussi tué. Gaï les mecs. C'est moi les mecs. Le premier polygame, c'est l'enfant de Caïn. Amen. L'esprit de Dieu était dans lui, comme son père avait tué. Roho ya kuwa, il y kuwa ndani yake, sa vile baba yake. Caïn. Et regardez comment cet esprit de la polygamie tue. Amen. Namuone kwa kweli namna gani ile roho ya kuoa wanawake wengi inawaka. Kae nomme abandonné sa première femme. Wakati Bwana aliacha bibi yake wa kwanza. Il est chez la numéro 2. Iko kwa bibi wa pili. C'est difficile qu'il se souvienne qu'il a même des enfants. Ni vigumu akumbuke ya kwamba alizalaka watoto. Amen. Et quand il arrive chez la première femme, anapofika kwa mke wa kwanza, ineripa, hachekake, konzo, asira, mwendre pepin, kidogo tu, ilitone, anatomboka. C'est vrai. C'est un esprit. Ni roho. Dieu, Mungu, avait interdit au roi d'avoir plusieurs femmes. Alikuwa alikatazaka mfalme kuwa na wanawake wengi. Pourquoi? Kwa nini? Il avait compris que plusieurs femmes peuvent détourner le cœur du roi, il ne dirigera pas bien. Alikuwa ameelewa kwamba wanawake wengi mfalme akawa nao watageuza moyo wake na hataongoza vizuri. Et il dit ceci. Na anasema hivi. De peur qu'il ne détourne le cœur du roi. Ili kwamba wanawake wasikuje geuza moyo wa mfalme. Et dans Apocalypse 1, il est dit quoi? Na pale mufunuo moja inasemeka nini? Il a fait de nous rois et sacrificateurs. Kwamba Mungu ametufanya kwa wafalme na makuhani. Deutéronome 17:17. Kumbukumbu 17:17. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes. Kusiwe hesabu mingi ya wanawake. Afin que son cœur ne se détourne point et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Ili kwamba moyo wake usigeuke na ajitafutie kuwa na mali mingi na zahabu. Et c'est comme ça que Salomon dans sa vieillesse. Nani hivyo Solomon katika uzee wake. Ses femmes l'ont détourné. Wa bibi au wanawake wakamugeuza. Wanaume wanawake wengi wanachanganyishaka kichwa. Ndio. Haba patia ke mtu muda kuwaza bibi. Hakuna. Les femmes ne donnent pas l'homme le temps de réfléchir. Non. Kina wewe mtu mwenye kuna lemu mashambre tano. Mais toi qui passes maintenant des nuits dans 5 chambres. Est-ce que tu wazas bien ça mwenye kuna bakia mushambre moja? Tu crois que tu vas bien penser comme celui qui passe dans une seule chambre? Non. Non. Si ça te chope, écoute que c'est la parole de Dieu. Et je sais une femme qui est ici ou un parent. Akuna. Personne n'aimerait que sa fille soit mariée. Les polygames disent à leurs enfants, moi j'ai marié beaucoup de femmes, mais toi fais attention. Je ne sais pas ce que tes mères là sont en train de me... Comment ils sont en train de me traiter? Amen.
Donc, akishafika mule anashindwa rekiler. Donc, ils arrivent là, ils ont du mal à retirer. Oui, oui. Pour chasser les femmes. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Même dans l'Ancien Testament, hata mwagano la kale, Dieu avait donné la loi de la gestion de la polygamie. Mungu alikuwa amepana sheria ya kuwa na wanawake wengi. Qui avait deux conditions. Ambayo ilikuwa na shurti mbili. Première condition. Shurti ya kwanza. S'il marie une deuxième femme, le jour de l'héritage, c'est l'enfant premier-né de la première femme qui doit hériter. Siku ya kurizi, mutoto wa muke wa kwanza, njo mwenye atarizi. Muzaliwa wa kwanza, wa bibi wa kwanza, ye njo ana haki ya kurizi. Première condition. Shurti ya kwanza. Deuxième condition. Shurti ya pili. S'il veut le faire, akitaka fanya hivyo, il ne va rien réduire côté nourriture, vêtements et droit conjugal. Hapaswe punguza chochote kwa mke wa kwanza ngambo ya mavazi, chakula na kitanda. Nana tabiweza? Qui sera à mesure de respecter cela? Ba mama, bola nanga bien. Wa mama fuate vizuri. Les jeunes suivez-moi bien. Enyi vijana mfuate vizuri. Dieu avait placé la ligne. Mungu alikuwa kamekata mustari. Il a dit ceci. Kasema hivi. Vous les hommes, ninyi waume, si vous voulez vous marier, ikiwa mnataka oa, maintenant que vous êtes dans la chute, ivi muko mumanguko, voici maintenant la condition. Sasa shurti ndio hii. Côté nourriture, upande wa chakula, ne réduit rien. Usi mpunguzie. Côté vêtements, upande wa mavazi, ne réduit rien. Usi punguzie mke. Côté droit conjugal, upande wa haki ya kitanda, ne réduit rien. Usi punguze chochote. Celui qui sera capable de le faire, qu'il le fasse. Mwanaume mwenye anaona tabiweza avifanye basi. Super. Kama ni super. 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 Waxi. 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 Viande. Nyama. Viande. Nyama. Riz. Wali. Riz. Wali. Banabiwezaka. Hakuna. Droit conjugal. Et tu ne lui prives pas du droit conjugal. Usimunyime kwa haki zake za. Or, quand tu as passé la nuit chez la première le lundi, kama ulilala kwa bibi wa kwanza siku ya kwanza, l'autre a droit de dire, où est-ce que tu es? Ule wa kwanza ana haki ya kusema, uko wapi? Il a déjà échoué. Pale ulishashindwa ewe mwanaume. Quand ici on a mangé la viande, wakati hapa walikula nyama, 3 kilos. Kilo tatu. Rassure-toi que tu as placé 3 kilos là-bas. Hakikisha kwamba na kwa ule mwingine uliacha ko kilo tatu. Qui peut réussir cet examen? Nani awezaye weza mtihani huo? Deutéronome 20, Exode 21:10, écrivez. Kutoka makumi mbili na moja kumi, muandike. Deutéronome 21:15, écrivez. Kumbukumbu la Torati makumi mbili na moja kumi na tano, andikeni. Napenda mubisikie mubibane. Amen, amen. Je veux que vous saisissiez cela très bien. Ili kesho musiseme. Mais vous ne puissiez pas dire. Que tu napinga bengine alors que nabo banaamini bien. Nous sommes en train de refuser ce que croient les autres pendant qu'ils croient aussi très bien. Musikwe munakuya kutetea ma fausse doctrine. Ne venez pas ici juste pour justifier les fausses doctrines ici. Amen, amen. Bas banamuke bako banalia huku nje kisha unakuya kutetea hii bibi. Les femmes sont en train de pleurer là à l'extérieur et puis vous amenez ici si. Fanya sondage hapa nani mwanamke mnaweza penda bamuongezee kwa mwingine. Essayez d'examiner un peu. Quelle est la femme qui aimerait qu'on puisse lui ajouter une autre femme? Hata wa kiroho hawezi kuitikia. Même une femme spirituelle ne peut pas accepter cela. Non, non. Amen. Binalumaka roho. Ça trouble le cœur. Oui, oui. Notre kiana mwanamke mwenye roho iko na nyonga tu kisha atenda mbinguni yaye. Quand tu vas rester avec une femme dont le cœur est troublé, comment ira-t-elle au ciel? Impossible. Exode 21:10. Kutoka makumi mbili na moja kumi. Vous avez écrit Deutéronome 21:15. Na muliandika kumbukumbu makumi na moja kumi na tano. C'est ce qui parle de l'héritage du premier né fils de la première femme. Ni ile inayoongelea kuhusu urithi ya kwamba ni wa mwana wa kwanza wa mke wa kwanza. Et la Bible dit. Na Biblia inasema. Même si tu ne l'aimes pas. Hata kama haumupendi. Son fils aîné, c'est lui l'héritier. Point barre. Muzaliwa wake wa kwanza yeye ndiye mrithi na mwisho pale. Dieu avait protégé Mungu alikuwa amekinga haki. Les enfants de la première femme. Watoto wa bibi ya kwanza. Parce qu'il savait que les hommes, une fois partis, risqueront de les oublier. Sababu alijua kwamba mara moja waume wanapoenda katika njia hiyo watasahawaka.